Aujourd'hui, la conférence de presse est là pour présenter le salon, ou plutôt la 13e édition d'Elec Expo, qui concerne justement la promotion du secteur électrique marocain, ne serait-ce qu'au niveau national qu'à l'export. Donc cette année, nous comptons sur 150 exposants et à peu près 10 000 visiteurs venant de partout au Maroc ou du continent africain. Mais le Maroc a beaucoup à donner au niveau, bien sûr, industrie d'appareillage et du câble et du matériel électrique, et d'un autre côté, sur les services. Les services, bien sûr, aujourd'hui, on parle de l'installation électrique, concernant l'électrification rurale, etc. Aujourd'hui, on va organiser, Inch'Allah, la 13e édition de Salon Elec Expo et la 8e édition de NR Events, qui est un salon des énergies renouvelables, et la 7e édition de Salon de l'électronique. Donc tous sont organisés sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et sous l'égide de 4 ministères. Inch'Allah, on va recevoir, qui est confirmé aujourd'hui, presque 150 exposants de provenance de 10 pays. Et en parallèle, il y aura un programme scientifique très riche qui va permettre d'échanger des expériences entre les pays qui vont être présents. Comme pays d'honneur, il y a 18 pays d'Afrique qui sont membres de la CAFELEC qui vont être participants avec nous. Donc il y aura une forte présence africaine qui vont permettre de bénéficier de l'expérience marocaine et aussi des exposants étrangers qui vont être parmi nous pendant cette exposition.